fossé. Et puis, un petit obstacle directionnel. Ce qu'on appelle un directionnel, c'est un obstacle qui est très peu large, avec très peu de fond. Il y a un seul endroit, par exemple celui-ci, fait à peu près 60 cm de large. Donc ça demande vraiment de qualité, de dressage, de cheval qui sont extrêmes. Albino Castle, still going well there for Bruce Davidson. He's gone the direct route all the way. Cleared the milk churns and cleared fences 21 and 22, so the road crossing. Qui est une voix plus longue, il risque de lui faire mal. Thank you.
Yeah!
Michel. Oui. Thinking a very good portion over the 50 géant, mais également à tout un ensemble de, d'autres points de restauration près de l'obstacle, de, près de l'étang, l'étang de la pâture, près de l'obstacle numéro 31 pour Canada. Une bonne journée, vous vivez avec nous ce, ce sport de haut niveau, on est heureux de vous accueillir, tout a été prévu, il y a plusieurs points entre autres puisqu'il est midi et quart maintenant, plusieurs points de restauration qui sont prévus dans le village des exposants ici, non loin de la zone d'arrivée des écrans géants, mais il y a également tout un ensemble de, d'autres points de restauration près de l'obstacle, de, près de l'étang, l'étang de la pâture, près de l'obstacle numéro 32-33. Allez, 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 allez
Well, this is the time that the finish is clear in a time of 11:57, and that's 88.6 penalties to finish, and she goes into eighth place at the present moment. William in the Rolex fish pond. Allez, William! Tricky, but he kept his ball there. Wait! Yeah. I think William is up to his sensible nickname there. Go hold on, William. She prend la troisième place. Got two other riders on the course. Of course, Ronald Scherer for France, starting individually on this mare, Macarade Montier, the mare that belongs to Maryse Boucher. He rode in four last year, went to the cross country. Alex Wettienne in the in the Rolex fish pond, and there again, this fence is proving very influential. Et Alex Wattian, les cavaliers chinois. Allez, 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 allez. Sur le quai, on revoit de Rolex. Grosse échéance internationale et pour ce cheval qui est là-haut. Ici, c'est son premier concours. 4 étoiles, c'est pas le premier 4 étoiles de Maxime, bien sûr, puisque le deuxième des étoiles de Paul Lamina. Et ici, c'est là-haut, c'est la première fois qu'il vient se niveau de Normandie et il va le franchir. Pas de problème. Et le cheval a de la ressource. Et Maxime a un mental exceptionnel. On l'a vu déjà particulièrement l'année dernière. Lors des étoiles de Pau, il prenait la deuxième place entre William Foxfield, qui était premier et troisième. Voici la marche d'échappée. Les chevaux qui semblent tirer un petit peu. Et Maxime tente de canaliser cette énergie. Il faut garder l'énergie, bien sûr, pour la fin du parcours. Lynn Samansky for the United States coming into the Rolex on Fish Pond. She went the option, she went the long route. So up the side over the log over the bridge there. And she's now 3 fences. The leader is over 24.6 seconds. 40 jumping penalties for Lynn Samansky and a 38.4 time fault. And a total after cross country of 131.4 penalties. Maxime Et la pointe. Allez, Lara. Il fait tout bien, il fait sans faute, mais ça n'a pas l'air. Vas-y. Ça n'a pas l'air simple, ça n'a pas l'air facile. Mais pour l'instant, allez, Lara. Incurred one refusal on fence number 5, but she's gone on in field boxes 6 and 7. Voilà. And for Shane Rose for Australia, we still have in select for fence number 18. That's it. Very good. Yes. Thank you.